Salut! Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une philosophie adoptée, non pas en SEO, mais avec un site internet tout court. Je vais mettre de côté tous les sites internet qui sont jetables, qu'on ne veut pas utiliser à des fins professionnelles 10, 20, 30, 40, 50 ans. Hein, je parle vraiment de quelque chose sur le long terme qui doit être pérenne, doit être efficace, doit évoluer petit à petit, prendre son temps pour devenir éventuellement une entreprise de référence dans le domaine précisé au départ. Donc moi, il y a une règle en fait que j'adopte tout le temps, que ce soit avec mon site ou avec mes clients. Je leur dis souvent, soyez fiers de votre site internet. Soyez fiers de montrer votre métier. Soyez fiers d'écrire du contenu et d'expliquer aux gens que vous maîtrisez le sujet. Soyez fiers vraiment de montrer que vous avez fait un super bon boulot et que vous êtes une référence. Et quand on pense avoir tout fait pour devenir une référence, eh bien, soit on n'a vraiment pas de chance, ou soit on en devient une. On devient une référence. Et moi, je pense que voilà, si vraiment vous commencez à inonder le marché, vous commencez à donner sans vouloir quelque chose en retour forcément, hein, vous allez forcément au bout d'un moment avoir quelqu'un, parce que ce monde n'est pas fait que d'idiots, il y a sûrement quelqu'un qui va tomber par là et qui va dire « Oh purée, celui-là, il a fait un sacré bon boulot. » Et vous voulez que je vous dise, ce sondage, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait, alors pas pour mon site, mais pour un autre site. Et je suis allé demander. J'ai fait, je ne sais pas si vous connaissez les espèces de micro-trottoirs que font les journalistes, c'est-à-dire que on navigue un peu et puis on regarde ce que disent les gens à propos d'un sujet. Et bon, j'ai fait un peu ce truc-là, mais je l'ai fait d'une manière, disons, plus digitalisée. C'est-à-dire que je suis allé demander à des gens, voilà, qu'est-ce que tu penses de ce site? Qu'est-ce que tu penses de cela? Et j'ai demandé à des potes qui sont dans le domaine du SEO, qui sont hors Internet, enfin qui utilisent Internet quoi, tous les jours, mais qui ne sont pas spécialement professionnels du web. Et je me suis rendu compte que vraiment, les gens qui étaient les plus objectifs, c'était les personnes qui ne connaissaient pas vraiment le web. Et c'est intéressant parce qu'en fait, nous, on a acquis de l'expérience, on a acquis des tas de choses, en fait, finalement, du développement, du marketing, de l'image, des tas de compétences, en fait, pour jouer la carte du marketing, mais finalement, on n'est qu'une minorité à comprendre comment fonctionne le web. Et quand vous allez voir des clients, quand vous allez voir des prospects, etc., vous vous rendez compte que ces personnes-là, vous vous dites, par exemple, FTP, bah, ils savent pas ce que c'est un FTP. Alors que pour vous, bah, c'est limite dans votre langage, quoi. C'est quelque chose que vous voyez très régulièrement et c'est limite bateau, quoi. C'est un FTP, quoi. Ok, bah, mets-le sur le FTP, puis c'est tout, quoi. Voilà. Et bah non. Non, non, non. Moi, je vous conseille d'aller, par exemple, dans une université ou une école où il y a des étudiants, vous leur demandez véritablement, bah, voilà, s'ils connaissent tel ou tel truc. Vous allez voir, hein, c'est très difficile. Et pareil d'ailleurs pour être pédagogique, c'est pas pour rien si on est obligé de passer sur des basiques essentielles avant d'aller sur des trucs un peu plus avancés, quoi. Parce que les gens, de manière générale, ne connaissent pas plus que ça. Le marketing digital et tout ce que nous faisons. Et c'est pas pour rien non plus si quand je dis je fais du SEO, je suis consultant SEO, les gens me disent un quoi? Ça, c'est le. La réponse que tout le monde répond, c'est qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce métier? Ah d'accord, oui, c'est mettre les gens sur Google. D'accord, ok, bon. Ok, bon, c'est si compliqué que ça. Mais en tout cas, moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est d'être fier de votre site internet. Parce que quelqu'un qui vraiment va sur internet, une fois qu'on fait le sondage et qu'on dit qu'est-ce que tu penses de ce site? Les gens disent, ah ouais, il est super. Alors que vous allez peut-être voir plein de trucs de merde, balise title, le web design, le call to action, la conversion, tout ce que vous voulez, hein. Mais pour quelqu'un de lambda, je peux vous assurer que le site, il va voir que c'est super. Et c'est pareil pour les sliders, les trucs comme ça, les trucs qui sont visuels avec de la vidéo. Ok, ça bouffe du temps, ça bouffe de la compréhension, tout des tas de choses. On ne sait pas sur quel pied danser. Mais pour eux, on a l'impression d'avoir affaire à un véritable professionnel. Donc, vraiment, mettez-vous à la place de vos clients, soyez en empathie avec eux et soyez fiers de ce que vous faites. Soyez fiers de votre site internet, soyez fiers du partage que vous pouvez vraiment mettre en avant partout, hein, autant sur les réseaux sociaux, autant sur votre site que en vidéo, etc. Parce que c'est super important. Et moi aujourd'hui, je suis super fier en fait d'arriver au défi de faire 31 vidéos pour ce mois-là qui se déroule. Voilà. Donc,
À bientôt et puis passez une très bonne journée et à demain. Bye bye!